soutenez la télévision et ses matabotini dans son œuvre d'évangélisation en envoyant vos différents dons par Timoney, Flows et sur nos différents comptes bancaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner à nos différentes chaînes YouTube et Facebook. Likez, commentez et partagez nos différentes publications. SC Matogo TV, la première chaîne missionnaire. Les tests de cette deuxième semaine du temps pascal seront lus par la sœur Pierrette Dassy, sœur de Notre-Dame des Apôtres, et le diacre Mouhément Patrick de la Société des Missions Africaines SMA. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, le commandant du temple et son escorte, ayant amené les apôtres, les présentèrent au conseil suprême et le grand prêtre les interrogea. Nous vous avions formellement interdit d'enseigner au nom de celui-là, et voilà que vous remplissez Jérusalem de votre enseignement. Vous voulez donc faire retomber sur nous le sang de cet homme. En réponse, Pierre et les apôtres déclarèrent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous aviez exécuté en le suspendant au bois du supplice. C'est lui que Dieu, par sa main droite, a élevé en faisant de lui le prince et le sauveur pour accorder à Israël la conversion et le pardon des péchés. Quant à nous, nous sommes les témoins de tout cela avec l'Esprit Saint que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Ceux qui les avaient entendus étaient exaspérés et projetaient de les supprimer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sans cesse à mes lèvres. Goûtez et voyez, le Seigneur est bon. Heureux qui trouve en lui son refuge. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Seigneur affronte les méchants pour effacer de la terre leur mémoire. Le Seigneur entend ceux qui l'appellent. De toutes leurs angoisses, il les délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Il est proche du cœur brisé, il sauve l'esprit abattu. Malheur sur malheur pour le juste, mais le Seigneur chaque fois le délivre. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Alléluia, alléluia, meni keni ma fera mi yo po fi mi mo, mama mi loke yo si feron re, alléluia.
Thomas. Parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, alléluia. Veni kendi ma ferra mi yoko fi mi mo. Baba mi loke yi osi ferra re. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est terrestre, et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, car Dieu lui donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui refuse de croire le Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le devoir du chrétien est de témoigner. Le chrétien est un témoin convaincu de la résurrection. Dans la lecture de ce jour, chers frères et sœurs, il est bel et bien la question de témoignage. Dans la question de témoignage, il y a toujours deux groupes, un qui croit et qui reçoit le témoignage, et un autre qui refuse de croire. Notre devoir en tant que chrétien, c'est de dire les paroles de Dieu, car Dieu nous donne l'Esprit sans mesure, nous dit l'Évangile. Mais il faut savoir que notre témoignage ne sera pas toujours reçu tout d'un coup. Il faut être au courant que ce n'est pas tout le monde qui se réjouit de notre témoignage. Nous rencontrerons des difficultés qu'il faudra surmonter. Lorsqu'on a interdit les apôtres d'être les témoins de la résurrection, ils ont été catégoriques qu'il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. C'est ça la détermination d'un témoin, malgré les défis qui se dressent sur le chemin. Que Dieu nous donne cette grâce, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concert, conférence et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous
La SMA Togo TV vous propose dès à présent ses services de reportage photo, vidéo pour vos différents événements. Mariage, anniversaire, concert, conférence et même les veillées funèbres. Et ceci en soutien à la mission de l'évangélisation. Contactez-nous au numéro 90 89 77 87 97 99 82 68 ou par email media@smatogo.com. SMA Togo TV, la première chaîne missionnaire.